Salut la famille, bienvenue sur notre chaîne Buzz Pro Max TV. La chaîne du béret du Japon. Ouais, c'est nous les soi-disant blogueurs, on est là. Ah, si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification, s'il vous plaît. Là, quand je publie, vous allez être au courant. Nous, on est là pour vous donner les infos et on fait notre propre analyse. On est responsable de ce qu'on vous dit, mais pas de ce que vous avez compris. Moi, je vous dis l'affaire de l'empoisonnement, si là, qui chauffe sur la toile de Marcos Obilo, quasi. Quasi empoisonnement de. Oui. Moi, je dis que c'est du pur buzz. Je ne sais pas ce qui est en train de se tramer là. Oui. Marcos et sa soeur, maintenant, ont pris ça. Maintenant, oui. C'est devenu le nouveau sujet. Go, il organise le live. Tapoter l'écran. Il passe autant que tapoter l'écran. Tapoter. C'est non. Pour lui, c'est mettre le tapoter. Même si vous pouvez m'envoyer les lions, hein, envoyez même l'histoire si on doit profiter de ça. Mon frère, il doit manger derrière l'histoire si. C'est comment? Hein? Tapoter. Il raconte les fiers. Un nouveau buzz est sorti, mon frère. Vous voyez comme il est excité. Marcos est excité. Non. Vous mettez la vidéo, vous allez voir, non. Il est excité. Tapoter, c'est quoi même? Non, on doit manger derrière l'histoire-ci. Je ne crois pas encore à cette histoire-ci. Il est bien vers la télé-réalité, là, beaucoup de choses se sont dites. Avant, après, pendant, beaucoup se sont dit. On a même dit que Marcos voulait donner le poison à Lolo pour aller donner à Poutchou, beaucoup de choses, oui. Et se sont sortis pour démentir, mais tout et tout. Mais Poutchou s'est écarté. Poutchou a dit, oui. En tout cas, je vous mets dans la vidéo, vous voyez. Après, on va parler. Hasta pronto. She said she want me back. I never paid a promise of a faithful tire. To the day she got me called, I thought she was. Ce n'est pas cité d'un clash, ce n'est pas doux pour eux. On est les seuls encore du voix ou quoi? Quand vous regardez un monsieur comme le général Camille Makosso, lui, il peut faire du mal à qui? Jusqu'à vouloir l'empoisonner, le tuer. Le monsieur, même quand il danse, même pas le frapper, on va le tuer. La mort. Tu as vu? Jesse J là, il est venu parler sous l'onction de Dieu. Hein. Oui. C'est-à-dire, l'homme, il a fini de parler, puis c'est après, il s'est rendu compte. Il s'est rendu compte de la bêtise. Ouais. En fait, il t'a donné le poison. Hein. C'est pas comme s'il t'a pas donné. Hein. Il t'a donné le poison. L'eau que tu as bu, qu'il t'a donné. Ouais. De là-bas, de façon étape, il t'a donné le poison. Mais comme il est. Depuis qu'il t'a donné le poison, après le match là, est-ce que vous avez eu à causer comme avant? Vous n'étiez plus proche parce que écoute ce qu'il a dit. Il a dit, toi le général, tu étais dans ma main. Quand tu viens, je t'ai sauvé la vie. Maintenant, quand tu viens à Paris, tu ne cherches pas à me voir. Est-ce que toi et Jessie, vous étiez amis? Non. Jamais. Pourquoi il cherche à te revoir? Cela veut dire qu'il t'a octroyé une première dose. Comme le Seigneur était avec toi et qu'il t'a délivré du poison, il te cherche encore pour une deuxième dose. Moi-même, je me pose la question, est-ce qu'à la télé-réalité, là, il ne m'a pas empoisonné aussi? Ah! Je suis convaincu. Les gars, mettez les cœurs, pompez les cœurs, pompez les cœurs. Tapoter. Mougousseur. Bon, Makosso vient chercher quoi là-dedans? Si ce n'est pas le Saint-Esprit qui est en train de mélanger. Parce que tu sais, ils ont fait beaucoup de choses, Lolo. Ils ont fait beaucoup de choses dans le passé. Donc maintenant, ça me fait sortir un peu. Et puis, rappelle-toi, le jour où on partait à la télé-réalité, les blogueurs ont commencé à dire que tu m'as remis un poison pour donner à Poutchou. Merci bien, je me rappelle de ça. Tu te rappelles de ça, non? Je me rappelle. Et les gens insistaient à ce que toi, le général, tu fasses partie, coûte que coûte.
de la télé-réalité. Tu n'as pas vu qu'on essayait de te convaincre. Le ouais. général vient à la télé-réalité. Ouais. Jusqu'à, on a voulu t'inviter comme invité spécial. Mm-hmm. Les gars, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Mm-hmm. Tu oublies beaucoup de choses, hein. Comme ils ont vu que tu n'es pas venu à la télé-réalité, en ce moment précis, ils ont voulu t'inviter comme invité spécial. Mais malheureusement, tu n'as pas pu être là. Mm-hmm. Je suis convaincu que tu as octroyé une première dose. Comme le Saint-Esprit t'a délivré de la première dose, il voulait encore te donner un autre poison plus puissant pour essayer de te tuer. Mm-hmm. Le général, ouais. pourquoi les gens ont peur de toi? Je ne sais pas. Le moment où je suis assis à terre, là, je ne sais pas. C'est-à-dire, je dois moi-même maintenant me prendre au sérieux. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qu'eux, ils ont vu, que nous, on n'a pas vu. Sinon, ils sont en train de faire les clashs. On n'a pas mis notre bouche dedans. On n'a rien fait. Mais à chaque fois qu'on dit la famille Makosso, tous les blogueurs sortent pour venir parler de nous. Pourtant, dit, quand hein. eux, ils ont des affaires, nous, on ne se mêle pas. Mm-hmm. Vous avez dit sur Facebook que c'est la famille Makosso qui est mauvaise. Mm-hmm. Les familles Makosso ne sont pas bonnes. La famille Makosso n'est pas ceci. Mais c'est nous encore que vous voulez tuer. Et les gars, mettez les cœurs. Je ne vois pas les cœurs, je ne vois pas les partages. Hmm. Général, tu fais peur à beaucoup de personnes. Tu parles fort, ma petite soeur. Tu fais peur à beaucoup de personnes. Quand Moïse est né, la Bible déclare qu'ils ont signé un décret pour le tuer. Quand Jésus est né, ils ont signé un décret pour le tuer. Il y a quelque chose qui est en nous, Lolo Beauté. Quand tu regardes tout ce qu'on a traversé, tu es la seule femme dont le pétou a été monté publiquement sur les réseaux. Toutes celles dont les sextapes. Le... Vous avez suivi, non? Tapoter haut, tapoter à gauche, tapoter à droite. C'est ça le plus important pour lui. Oh, Nguyen, la famille Makosso, qu'est-ce que les gens nous veulent? Les gens vous veulent quoi? C'est entre vous. C'est comme vous cherchez à éliminer les autres cherchent aussi à vous éliminer. Vous croyez que quoi? Vous même croyez que comme les gens n'ont pas les preuves que vous avez aussi essayé. Vous essayez aussi, on le sent. Hmm? L'affaire d'Apoutu, là, on doit encore, ça doit encore s'éclairer. Il y a encore beaucoup de sombre là-dessus. Beaucoup d'ombre. Mm-hmm. Là-dessus. Oui. Il y a encore beaucoup d'ombre sur l'histoire d'Apoutu, là. Ouais. Hmm? Et quand Jésus est né, regardez la bouche qui prononce Jésus, la sœur de Lola. Regarde la bouche pour qui prononce Jésus jusqu'à elle est contente de Jésus. Oh Dieu est monté, descendu. Une bouche, quand ça, elle va insulter les parents des gens. C'est ça qu'elle appelle Jésus tous les temps. Vous voyez même la contradiction dans tout ça. Oh, ton hier et au peuple, j'ai filmé ta mère, j'ai fait. Après, maintenant, Jésus, Dieu du ciel. Dieu, ne mélangez pas Dieu dans toutes les histoires là, pardon. Ne mélangez pas Dieu dans vos. Ouais, Dieu souffre. Yeah. Le nom de Dieu peut souffrir comme ça. Quand on mélange ça dans la boue, on prend son main dans la boue, on piétine. Dieu, on piétine son nom dans la main. Dieu, ouais, yeah, yeah. Après avoir insulté, la même bouche vient dire Dieu et Jésus. Que les gens ont peur de toi. Les gens ont peur de ceci. Non, ils n'ont pas peur, ni jaloux. C'est entre vous. Entre vous qui sortez la nuit, là, les sorciers, là. Vous, c'est entre vous. Vous mangez entre vous, là. Vous mangez entre vous. Vous savez. Oui. Vous connaissez. Je vous dis la famille, ces gens qui sont dans les mêmes circuits. Dans le même circuit, ils se mangent entre eux. Oui. Parce qu'un inconnu, comme peut-être vous là, mes familles, vous ne connaissez pas. Tu vas partir peut-être donner le poison à Makosso par rapport à quoi? C'est entre eux qui se connaissent là. Ils se mangent entre eux. C'est ça. C'est ça qu'il s'agit. Voilà maintenant, le nouveau buzz est sorti. Non? Oui. Le nouveau buzz est sorti. C'est pas si c'est un arrangement ou bien c'est que sont là pour créer buzz tout le temps. Dernièrement, il a clashé avec l'homme Gugu. Maintenant, c'est toujours c'est Jesse J qui fait le sujet. Et tu sais, et c'est la même clique. Jesse J, c'est la même clique avec l'homme Gugu. Mm-hmm. Donc, celui-ci va être le nouveau Bob Lee. N'est-ce pas, Jesse J, là, il va être le nouveau Bob Lee. Non, Bob Lee est encore plus intelligent que toi. Donc, tu as encore beaucoup à travailler. Tu as encore à travailler pour atteindre le niveau de Bob Lee.
Hein, la famille. Ah, la famille, on se voit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous laisse vous dire que bah, moi, ce clash à moi, je ne crois pas trop en ça. Je vous jure, ça me paraît toujours une histoire montée de toutes pièces pour créer le buzz. Donc, je suis comme ça là, je prends ça toujours avec les pincettes. C'est quand on va encore entrer dans le but du sujet que je veux comprendre. Je veux dire, ok, ça va, c'est vrai. Mais maintenant là, je prends encore ça comme ça. Donc on se prend à très bientôt pour une nouvelle vidéo, la famille. Bisous et hasta pronto.